tout le monde, bonjour YouTube, on se retrouve pour Arc Ma Vie 2 en compagnie de Aloy et Nala. Aloy, c'est le nom que vous m'avez donné pour la Louve, donc merci à vous. Alors, je me retourne pas parce que derrière j'ai pas mal avancé, et je suis plutôt fière de moi d'ailleurs. Je sais pas ce que vous allez en penser, mais voilà. Oui, alors la grande porte, on s'en fiche un peu. Mais voilà, j'ai fait un gros enclos à nos éléphants là-bas, on va aller le voir. Un petit pont ici. Hein, plutôt stylé. Plutôt stylé. Alors, les hyènes ont été renommées Chenzi et Banzai. Je crois. Chenzi, Banzai et... Ah, je sais plus. Fous-moi la paix, hein, parce que tu vas te faire bouffer. Je sais plus les noms. C'était les noms du roi lion, du coup. Mais voilà. Enclos éléphant fait. J'ai fait les selles. Vous m'avez demandé aussi de le faire, je l'ai fait. J'ai fait les selles de certains, pas de tout le monde, hein, bien sûr, parce que je vais pas tous leur mettre des selles de toute façon. Mais voilà, nos éléphants n'étaient pas placés comme ça, d'ailleurs. Je vais vous montrer ça quand ils seront bien placés. Ils ont dû avoir un problème. Ils sont plutôt bien ici, je leur ai fait un... J'étais obligée de mettre cette porte-là, parce qu'ils passent aucune porte, c'est dommage. Alors, elles ont leurs selles, mais avant, on va les replacer. Parce que c'était pas joli, là. Et non. Bon, bah, on va te mettre comme ça. Je les ai renommés aussi. Il y a Céleste et... Je sais plus, on va regarder les noms avec vous après. Ok. Donc elles sont bien, j'ai pas fini de mettre la paille parce que voilà. Hein, j'en avais un petit peu marre. Oui, il n'y a pas de porte, je cherchais la porte. Donc leur enclos, ça donne ça. Ça donne ça. Pourquoi? Parce que en fait, devant elles, où il y a leur trompe, il y a de l'eau. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une sorte de piscine en fait. Là. Elles ont une piscine, en fait, pour boire, on va dire. C'est plutôt RP. Elles ont de l'eau en permanence ici avec leur source d'eau. Elles sont plutôt bien, nos copines, dans leur enclos comme ça. Alors, j'arrivais pas bien à placer les toits, donc du coup, j'ai placé comme ça. Ça va, de toute façon, c'est un toit en paille. Mais j'aime beaucoup leur truc d'eau, là, devant, ça rend bien. On va aller les voir, si on peut les voir de plus près. Je sais plus si on peut monter. Non. Déjà, si tu cours pas avant... Hein. Ah, on peut peut-être plus avec les armes. Alors, attendez. Ah, bon. En fait, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. En fait, ouais, elles peuvent boire, quoi. Leur trompe tombe dans l'eau, en fait, là-haut. Elles sont bien, là. Franchement. Attendez, je vais essayer de passer par l'autre côté. Je vais vous montrer. C'est tout. Je vais vous montrer. Je suis sûre que par là, je pouvais, quoi. Hein. Yes, voilà. Ok. Et ça rend bien. Hein. Elles sont bien là. En fait, si elles ont soif, ben voilà, elles ont de l'eau quoi. Et elles sont belles. Alors, elles sont bah, avec leur selle. Elles sont habillées du coup. Je trouve la selle d'éléphant super belle. Regardez le truc qu'elles ont sur le front. C'est quand même plutôt stylé. Hein. Y a pas à dire. Et elles sont bien là. Vous êtes bien. Hein. Bah oui. Moi, je suis contente avec l'éléphant en haut là. Le soir, ça rend bien aussi. C'est bien éclairé. J'ai mis les autres lampes du mode. Elles éclairent un petit peu plus que celles qu'on avait mis pour les autres. Et donc voilà, leur sel, c'est ça. C'est plutôt joli, hein. Franchement. Je vais vous montrer ça en mieux. Alors, fais voir ton nom, parce que je me rappelle plus des noms. Ah, et Lunara, voilà. Lunara que vous m'aviez donné. Il y a tout mon bordel dedans. Oui, parce que je me servais de l'éléphant, en fait, pour grimper. Hein. On n'a pas de volant. Hein. Donc, c'était ma mule. Ma mule et mon escabeau, pour le coup. Vous vous mettez sur l'éléphant, vous êtes quand même bien plus haut. Hein. Et donc voilà, je vais vous la montrer au soleil avec sa selle. Hop. Montre-toi. Oui, bah là, on te voit pas bien, mais... Elles sont belles, les selles, hein, du mode. Vraiment, vraiment, quoi. Là, c'est vraiment la selle de base. Je les ai pas colorées, parce que je vais vous montrer aussi autre chose sur nos copains les chevaux. Copines et copains les chevaux. Bah, mange pas ton arbre. Bah, t'en as qu'un. Non, t'en as pas qu'un, mais... Ok. Allez, tu retournes là-dedans. Vous allez rester à l'abri là-dedans, vous êtes bien. Bah après, elles se sont peut-être énervées si ça se battait dehors. Vous voyez, elles ont du mal à passer toutes les petites portes et tout. Et là encore, la porte, c'est moi qui l'ai faite, ça n'existait pas. J'ai inventé une porte, quoi. Ok, vous restez là. Voilà, donc je suis plutôt fière de moi, ça m'a pris toute la journée à faire juste ça. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est complexe, hein, quand même. Entre le farm et le fait de placer... Hein. J'ai tout commencé à placer, du coup, en touch, parce que je suis nulle en construction, donc... Il a tout fallu que je place en touch avant. Donc, nos hyènes. On a Chenzi. Ah, Ruana et Banzai. Banzai, le mâle, je sais pas où il est. J'ai eu le mâle au level qui était chez moi.
Je sais pas où il est. De toute façon, elle se sauve pas spécialement. Ouais, bah j'en sais rien. Je fais des coupures parce qu'il y a des enfants devant ma fenêtre, hein. Ils sont pas encore à l'école, et non? D'ailleurs, bon courage à vous pour tous ceux qui vont faire la rentrée, là. Ouais, bah je sais pas où il est, Banzai. Pourtant, il est joli, hein. Il est plutôt joli. Mais là... Ah, non, c'est pas lui, hein. C'est encore les mêmes. Ouais, c'est Ruana. Ok, bah je sais pas où il est. Bon. C'est dommage parce que je voulais lui faire faire des bébés maintenant. Comme ça, ils auraient commencé à grandir. On aurait eu plein de hyènes. Alors, là, j'ai rien touché. J'ai juste remis les niveaux au poulet. Hein. Et mis deux poules en balade. Voilà. Michou, il est par là-bas. Ouais, il est par là-bas. Michou. Là, j'ai rien fait. J'ai ramassé notre jardin. Il n'y avait pas grand-chose hein, pour le coup. Alors, on va commencer par les selles des chameaux. Je vais vous montrer ça. Hop. Les selles de nos amis les chameaux, elles sont belles aussi, hein. Elles sont belles, alors j'en ai coloré quelques-unes, on va plus rien voir dans pas longtemps. Mais ça fait stylé, hein, les selles, elles sont bien faites, hein. Le mec qui a fait le mode ou la femme, enfin la fille, a bien travaillé, quoi. Donc voilà, je les ai colorées un peu, elles sont pas toutes de même couleur. Hop. Alors oui, je vous disais, oui, il faut mettre une gourde d'eau dans le chaudron. Et des baies, mais pas que, en fait, fallait aussi du charbon, j'avais oublié, bon. Voilà, quoi. Pas pour tous, je crois pas, enfin, je sais pas, en tout cas, j'ai laissé le charbon, ça a marché. Donc voilà, celle-là est un peu plus claire, et celle-là, je crois que c'est celle de base, celle-ci. Hop. Nos petits chameaux, avec leur selle. Crois que c'est celle-ci, celle de base. Bon, voilà, hein. Et donc, les chevaux, j'ai fait la selle mercenaire, la selle... Bah, qu'il avait déjà Suna. Et la selle à deux personnes. Bon, de toute façon, moi, je suis seule. Ça s'est encore battu, j'avais tout préparé. Ah, bon. L'ours a sa selle aussi. Et d'ailleurs, super. Super dans le sens où je savais pas, mais il fait beaucoup, beaucoup de, comment, de fibres. L'ours. Et je savais pas. Et elle s'appelle Gourmande. C'est un nom que vous m'avez donné aussi. Voilà, avec sa petite selle que j'ai repeint en noir, mais bon, qui est plutôt basique, quoi. Plutôt basique, mais l'ours me sert pas mal. Alors, hop. Vous allez voir, celle d'Angel est magnifique. Je dis pas que celle de Suna est pas jolie. Alors, celle de Suna, je l'ai juste repeinte. Voilà, en rouge et noir. Un peu. Bah ouais, Suna. Alors, j'ai pas retrouvé non plus Arizona. Bon. Ok, excusez-moi, il y a du bruit, comme je vous ai dit. Arizona est morte. Je suis allée voir dans les trucs et ça marque qu'elle a été tuée par une hyène. Bon, bah voilà. On en reprendra une, vous inquiétez pas. Alors, du coup, nos selles avant qu'il fasse nuit. Celle-ci, c'est la plus jolie, je trouve. Franchement. Celle d'Angel. Je l'ai repeinte en blanc et tout, mais elle est tellement stylée, la selle mercenaire. Alors, il vous faut juste un bouclier, puis après, c'est une selle normale. Hein. Mais elle est belle, hein. Blanc comme ça sur blanc. Enfin, blanc-beige, on va dire, sur blanc. Tu es très très belle avec ta selle. Mais comme c'est ma monture principale, bah voilà. J'ai dit, je vais lui mettre la selle de mercenaire. Hein. T'es stylé, hein. Et toi, et elle, Akuran, pardon. Elle a la selle de personne. Alors je pense qu'on peut monter à deux largement d'ailleurs. Elle a une selle de personne, voilà. Du mode aussi. Du mode aussi que j'ai repeint en blanc et noir. Bon là, on voit pas très très bien si le jour baisse. Enfin voilà, Dakota et tout vont bien là-dedans normalement, hein. Dakota. Bah ouais, t'es au repos un peu. Hein. T'es au repos un peu avec tes copains. D'ailleurs, il va falloir que je refasse des enclos à chevaux parce que c'est pas du tout tous la même espèce. Déjà le mien, elle c'est un Siglavi, je crois. Eux c'est des drais, non, je sais plus. Pas des drais. Bon, des percherons quoi. Voilà. Et Peggy va bien. Peggy va bien, elle avait juste un peu faim, je l'ai redescendue. Hop, voilà. Peggy, merci. Bah tiens, je vais vous montrer de nuit le truc à... Je vais peut-être... Attendez, je vais fermer ça. Hop. Le truc à éléphant, et après on fait nos cakes et tout ça. J'ai dû aller rechercher du miel. Il est au frigo, tout va bien. On a tout ce qu'il faut. Alors on va peut-être pas pouvoir en faire beaucoup, mais c'est pas grave. C'est pas trop gênant. Ça lague un peu là. Je sais pas si c'est les structures ou le fait que mon PC chauffe, mais voilà. Hop. Hop. Voilà. Bon, de toute façon, tout le monde va s'en sortir. Y a pas de souci, on connaît. Ce qui spawn chez moi, c'est souvent un carnot et des hyènes ou des vautours.
Voilà. Donc c'est pas non plus. Ça rend bien avec la flotte là. Enfin ça, le petit pont, j'avais même pas vu de nuit. Alors moi je vais me faire ma maison là-haut, hein. En dessus de la cascade, je pense. Si je me fais une petite maison quand même. Elle va être en dessus là. Mais ça rend joli, hein. J'aime bien le coin. Je trouve que le coin est top, quoi. Bah oui. Bon, on va y aller à pied. Je suis où? On va y aller à pied, ouais. Hop. Allez. Regardez, ça rend bien de nuit, mais on va voir de l'intérieur. C'est encore mieux. Je vais peut-être monter sur le rocher, carrément. Après, je me dis que si moi j'y arrive, les bestioles aussi. Hein. Hop. Voilà. Regardez, ça rend bien la nuit. Éléphants, avec leurs petites mares. Ouais, elles sont bien, elles sont bien. Elles sont bien, elles sont bien. Enfin, leur grosse mare, quoi. Du coup, c'est hyper profond. Enfin, s'il y aurait de la profondeur, ça serait hyper profond, quoi. Voilà. Voilà pour les avancées. Je suis plutôt fière de moi. Hein. On va pas se mentir. Hop, je prends une photo d'ailleurs, tant pis. On voit pas les éléphants, mais c'est pas grave. Bah, c'est parti pour faire les cakes. Je commence à plus rien voir IRL parce que j'ai le soleil qui tape dans l'écran. Ah. Du coup, j'avance tordu. Bon, c'est bon. On va s'en sortir. C'est parce qu'il fait nuit dans le jeu, c'est pour ça. Bah, très bien. Je crois qu'on n'a rien oublié. Il faudra qu'on retrouve Banzai aussi à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Bah, déjà, ça, on s'en fout. Hop. Il va me falloir tout ce que j'ai dans le frigo, plus du bois, quoi. En gros, quoi. Je vais tout prendre. On va pas s'embêter. Hop. Je vais tout prendre. Quoi? Bon, bah voilà. Très bien, merci. Très bien, hop. Alors, si je... Mais je peux pas tout mettre là-dedans. Comment vous faites? Attendez, attendez. Ces deux machins. Bon, on va dire ça. Ah, j'allais dire mes carottes, mes patates, ok. Il me faut de la flotte. C'est ta faim, mange. Il me faut de la flotte. Je pense. Je pense qu'il faut flotte, stimulant. Et tout le reste, quoi. Hein? Alors. Ouais. Citron, peut-être. Je sais pas. Flotte. Non, peut-être pas citron. De toute façon, dans tous les cas, il me faut que deux miels. Ça. Et stimulant. En espérant que je vais mettre citron quand même. En espérant que j'ai rien oublié, quoi. Ok, je viens d'aller voir. Il nous faut pas de ça. Il nous faut de la. Il nous faut pas de citron. Il nous faut de la fibre. Je dois en avoir, j'espère. Bah, pas là, en tous les cas. Peut-être là. Yes, bah largement. Largement qu'on est bien. Hop. Alors la fibre à place du citron. Citron, tu t'enlèves. Hop, fibre. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Non. Si je laisse allumer, ça devrait marcher. Faites voir, faites voir. Faut la prendre ou pas? Non. Doit se faire tout seul, non? Si bien je vais enlever ça, je remets du miel s'il en manque. Ah bah voilà. Hop, sapérine, non. 1 heure, bon ça va. Je vais le foutre au frigo. Et donc on recommence. Alors hop, donne-moi ça. Donne-moi ça, donne-moi ça. Alors, deux miels. Ouais. Bah, de l'eau. Mais arrête. Ton cinéma. Hop. Après, ouais, ça en fait pas beaucoup, hein. Je le savais. Que ça allait être galère. Ça allait être coton. Hop. Voilà, merci. Ah, mais c'est bon, en fait. C'est une seule de flotte. Bah, on va faire tout notre miel, hein, de toute façon. Ça devrait marcher, non? Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah, j'ai plus de. Ah, bah, j'ai plus de sève. Bon, comme ça, au moins. Hop, on va tout récupérer. Attends, hop, arrête. Éteins. On a deux cakes, on peut avoir deux moutons, il nous faut un couple. Voilà. Pas m'embêter plus que ça. Hein. Moi, il a cuisine, bonsoir. Enfin, surtout dans un jeu. Encore, en vrai, ça va, mais. Hop. Dans un jeu, c'est. Voilà. Mais bon, on aura vu comment ça marche, hein, au moins. J'ai pris ça parce que vous m'avez demandé un kangourou, si jamais j'en croise. Ah, peut-être pas tout prendre. Je sais plus si ça périme ou pas, mais voilà. Bah, c'est tout. On va y aller. De toute
toute façon, les moutons, ils sont... Voilà, ça va. Hop. Je vais prendre un peu de tout. Je vais prendre mes carottes au cas où je vois un cheval. Hop. Ça. Pioche, ouais. Après, c'est pas non plus vital. J'ai fait une longue vue, hein, vous avez vu, un petit peu. Non, tu vas faire le contraire, tu vas faire ça. Ça, tu poses. Ok. Je vais prendre 20 flèches. Je m'étonnerais que je tame. Là, je pars vraiment chercher le mouton, hein. Où est mon arbalète là? Et quand même, on sait jamais. Et quand même, on sait jamais. Et bah en fait, on prend tout. Pour changer. Hop, bah voilà. À manger pour moi. C'est dans le feu. C'est dans le feu. Let's go! Alors. Donne. Ah, les chiens, aidez-vous. Chut. Voilà, bah c'est parti. C'est parti avec Angel. Normalement, tout va bien ici, hein. Hop. Allez, let's go. Tu as rien sur toi, hein. Un peu. Toi, il te faut un peu de poids quand même, de la vitesse. Hop. Non. Attends. Ouais, ça, on s'en fout, on s'en fout. Allez. Let's go. Normalement, il y a un golem là-dedans. J'espère qu'il n'est pas encore là. C'est dur, il tapait la barrière. Hein? Ah, bon, je voulais pas descendre. Hop. Ouais, bah, il nous faut un couple. De toute façon, on peut les accoupler, oui. Bien sûr. Je me réponds toute seule. Hein. Je fais question-réponse au cas où. Ok. Et bah, c'est parti. Pour les moutons. Pas trop par où je suis passée, là. Oh! Oh, je suis pas passée par un endroit bien sympathique. Ah, le métal! Alors, moi, je me fais chialer dans le désert, il y en a là, quoi. D'accord. Bon. C'est quoi ce bordel ici? Moi, je passe plus par là, hein, c'est dangereux. Très bien, très bien. Bon, bah, j'y vais, les copains. J'avance un peu, c'est parce qu'il faut qu'on aille jusqu'à. Comment? Bah jusqu'à la plaine où il y a le giga normalement. Puis là il va faire nuit bientôt. Ouais mais elle est trop stylée avec sa selle. Oh. Ok je vous reprends là, on y est presque. Le truc c'est que je viens de voir ses chevaux, je sais pas ce que c'est. Enfin on dirait mes poils aux pattes mais avec des couleurs un peu... Il va me marcher dessus, non c'est bon. Couleur un peu spéciale. Hein? J'aurais pu... Ah mais c'est chiant. Me gourre ou pas? Ouais, je suis couchée, c'est bien ce que je me disais. Du coup, te couche pas. Il est bizarre, non? Ah, mais non. T'as été à pas faire caca, Angel, hein? Oui. Attends, son pote a pas eu peur. Bien. Ah oui, on m'a dit que je pouvais peut-être les endormir, mais je suis pas bien sûr. Hein. Enfin, un peu comme les hyènes, quoi. Ouh, le lag. Déjà que je suis pas douée si ça lag. Bon, je vais vous taper. Hein. Je vais finir par vous faire mal. Non, hein. Mais c'est une horreur, quoi. Bon. Tant pis pour vous. Allez mourir contre le bronto, voilà. Mais ils sont tout petits. C'est des poneys? Je sais qu'il y a des poneys dans le mode. C'est bien possible alors. Oh, ça se trouve, c'est des poneys, quoi. Ouais, c'est des poneys, c'est sûr même. Bloque-toi. Non, mais bloque-toi vraiment. Ah non, pas ça. Il va me marcher dessus, il va me voir. Non, c'est bon. Comme il est le perso quand on est comme ça, c'est quelque chose. Mon Dieu. Bon. Voilà, t'as de quoi te bloquer, hein. En vrai. Ah, vas-y. Vous savez pas à quel point. Donc c'est bien un poney. Petit poney. Petit poney. Bah, attends, il y en a un autre, hein.
Certes, ça fout la pression, mais à un moment donné, faudrait qu'on en ait deux. T'es quoi, toi? Oh, level 98 en plus. Eh, si tu survis, t'es mignon, hein. Poney. Là-bas, il y en a d'autres. Bien. Alors oui, on va chercher les moutons, vous inquiétez pas. Et si je t'endors, tiens, on va tester. On va essayer comme ça. Non, parce qu'à un moment donné, ils sont chiants, quoi. Faudrait pas que mes cakes périment. Normalement, j'ai plus d'une heure quelque chose. Hein. Non. J'en ai rien à faire, mon pote. Ouais, toi aussi, apparemment. Mais je sais pas, quoi. Non, parce qu'ils sont un peu trop débiles, hein. C'est pas pour dire. Voilà, je sais pas. Oh, j'ai deux mâles. Oh non. Mais le troisième, c'est sûr, c'est une femelle, quoi. Bougez pas. Mâle. Mais j'en ai rien à faire. Avec deux mâles, quoi. Ils sont beaux, hein, c'est pas histoire, mais. J'aurais pu donner par devant, quoi. J'ai vu à la. Je voulais lui tirer dessus, j'hésitais, en fait. Venez. Bon, bah on a deux poneys. Attendez, là-bas, il y en a un autre. Peut-être c'est une femelle. Ouf, le jeu a eu du mal avec mon saut de l'enfer. Voilà! Ah, on dit GG, hein. C'est le plus dur à faire. Hein. T'as mis un gigano, ça va, mais alors choper les poneys. Voilà quoi. Bon, eh ben nickel. On a donc trois poneys qu'on va laisser là. C'est plutôt calme ici en général. Vous allez rester là, hein. Voilà. Vous défendez. Et puis moi je vais chercher des moutons, hein. Bon bah trois noms en plus. Je prendrai dans vos noms. Il doit en avoir des noms, je pense, à force. Ou donnez-en, n'hésitez pas, en remarque. Non, parce que je vais pas les prendre de suite en fait. Je voulais des noms spécifiques aux poneys. Ok. Bon, ils ont pas périmé mes trucs là. J'en ai envoyé plus d'une heure, donc ça va quoi. Petit poney. Petit poney. C'est tout ce que je sais de la chanson. Voilà. Y a pas de giga, on va pas mourir tout de suite. Pas de suite. Alors, les moutons. Oh. Des allosaures. Ok, bon, on va peut-être pas aller là. Après, monter là-haut, j'ai peur parce qu'il y a toujours le giga, quoi. J'ai envie de dire, on prend le risque. Ah, ils sont chiants, quoi. Ils sont au jardin. Les jardins, je voulais reprendre des carottes et tout. Ah, j'ai peur du gigano. Pas Angel, pas elle. Elle est si mignonne. Moi j'en avais trouvé par là une fois. Là-haut. Mais bon, j'ose pas trop y aller quoi. Là j'en vois pas de toute façon. Le jardin! Mais non, ils sont pas au jardin, bah c'est bon. On va vite prendre des carottes et tout ici. Ici ça craint. Hop. Voilà. Hop, on prend tout ce qu'on peut. Ça nous fera des carottes pour nos cakes et tout si jamais, parce que pour les vaches il nous en faut de toute façon. Ça m'évite de les planter et ouais c'est bon. Pomme de terre. Ça lague un peu ici, je sais pas pourquoi. Après les FPS sont bons mais c'est des lags quoi. Ouais. Bah écoutez, non ça je m'en fous. Hop. J'ai pris que des carottes ou j'ai pris des pommes de terre aussi? Ah bah je prends des pommes de terre. Oula, bah c'est bon large hein. 100 et quelques, et les carottes, on doit être pareil un peu. Ouais, 84, ça me va, ça me va. Il en reste un peu quand même. Hop. Ah bah il en reste un peu quand même.
Hop, ça m'évite de revenir parce que je vais pas revenir 50 000 fois ici. Voilà. Bon, maintenant les moutons. Par là. Après, j'en vois pas souvent, hein, des moutons, moi. Je sais que c'est par là, mais où? Une fois, il y en avait là aussi quand je tamais des Ptera. Des chevaux. Je le sens, le Figano, sur notre tronche. Surtout que... Pour le coup... Attends, je vais te vider un peu des trucs, parce que... Alors courir s'il y a un giga. Mais très vite. Hein. Ouais, de toute façon, il va te bouffer, quoi. On a pas. Ouais. C'est tout, hein. C'est quoi, là-haut? Ah, bah voilà! Oh, j'ai cru que c'était le giga qui spawnait dessus. J'allais dire, c'est pas vrai, quoi. Oh, puis on a un beau troupeau. Alors. De toute façon, on peut en prendre que deux, les copains. Alors. Non. Encore moins. Non, ils vont pas être pourris en level. J'ai mis des. Elle est bien. Elle. Attendez. Level 40. Moi, ouais, c'est les deux mêmes. 14. Je vais prendre celle-ci déjà. En espérant que ça one shot. Hein. Et il n'y a pas l'air d'avoir de mal. Qui est bon level quoi. Après bon bah tant pis. Hein. Si vraiment on trouve pas de. Mais ah là-bas. Mais bah non mais c'est le. Oh mais il y a des troupeaux ici, c'est joli. C'était elle. Hein. C'est toi. Oui. Comme ça se dandine. Attendez. Le bug du truc. J'ai jamais monté sur. Bah ouais, je suis trop lourde. Bah dis-le. Hein. Attendez, viens. Oh nickel. Par contre, après, ça va être coton, c'est pour les ramener parce qu'il y a un bordel en Redwood. Ouais. Alors, le mâle, là, t'es quoi? Ah oui, t'es tout pourri. Excuse-moi, t'es rose en plus. J'ai rien contre, hein, mais. Mais pas. Si. Il y a lui qui est beau, hein. Oh, le. Level 29, ça va? Ouais, allez, ça va. Ça me va. On a un couple comme ça. Les deux sont gris, par contre. Qu'est-ce que j'ai? Moi, j'ai faim. Bah, mange des pommes de terre un peu quand même, parce que voilà. Pas de mal. Ensuite, tu vas manger autre chose. Tu vas manger ta viande. Hein, voilà. Comme ça, tu arrêtes ton cinéma. Et donc, voilà. Bah, ouais, bah, de toute façon, on peut pas en prendre plus que ça, mais au moins, on va pouvoir faire des bébés. On va s'en faire plein. Bon, eh bien voilà les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour aller tamer, je pense, peut-être un mâle à nos éléphants, enfin un peu tout ce qui nous manque en mâle, femelle, tout ça. Et comme ça va nous faire un épisode reproduction pour la prochaine fois. Non, ce sera le tamming avant et après ça sera de la reproduction. On va commencer à se servir un peu bah, de nos animaux et à faire de la repro pour notre ferme. Mais voilà, ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Lee et les moutons. Et je vous dis à bientôt. Et ciao!